On a voulu interpeller le gouvernement sur les difficultés du monde agricole. Aujourd'hui, près de la moitié des agriculteurs gagnent à peu près 350 euros par mois depuis 3-4 ans. Ça dure depuis trop longtemps et on a l'impression que le gouvernement nous méprise et ne veut pas soutenir son agriculture. Et donc avant qu'elle disparaisse comme l'industrie, on tire la sonnette d'alarme pour alerter sur notre situation. On a calé l'arrivée d'un conteneur, des ballots de paille dans des camionnettes à une heure précise et on a convié nos collègues de 8 départements à venir nous rejoindre en voiture à l'heure précise qu'on a définie. Voilà, donc c'est un peu méthodique comme organisation, mais on a tout déballé. En 3 minutes, c'était déballé et on a pu s'installer aux portes de l'Élysée. C'était pas prévu, c'est une action coup de poing comme on aime les faire pour faire parler de nous. Et donc là, on est à peu près 300 de plusieurs départements. Donc là, on attend encore, je pense, une demi-heure. On a commencé, il était 6h30 et on est actuellement reçu à l'Élysée. Il y a une délégation qui est reçue à l'Élysée pour évoquer tous nos soucis et pour que ça bouge dans notre sens. Il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers des agriculteurs de France qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ceux qui arrivent à vivre avec 350 euros par mois, c'est surtout ceux qui ont le bonheur d'avoir une épouse qui travaille à l'extérieur et qui fait vivre le ménage. Aujourd'hui, moi je suis endetté à 75%. On peut dire un céréalier, ça a des beaux bâtiments, ça a des beaux tracteurs, sauf que tout est à la banque et que c'est très dur. Et l'année dernière, on a eu une mauvaise récolte. Et cette année, la récolte est plutôt moyenne, voire bonne, mais les prix ne sont pas là. Actuellement, on peut vendre nos productions à peu près à 20% en dessous de notre coût de production. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc on n'est pas compétitif par rapport aux autres pays européens. Là, il y a un conteneur, on a voulu symboliser les importations. Aujourd'hui, on importe du blé ukrainien qui n'a sûrement pas la même traçabilité que nous, avec des produits qui sont interdits chez nous et autorisés chez eux. Donc demain, l'agriculture peut mourir en France, mais ne vous inquiétez pas, on aura des importations avec des produits qui ne sont pas tracés, de mauvaise qualité. Et si c'est ça que les consommateurs veulent, bah, qu'on continue comme ça, mais on va crever, quoi. Nous, on est agriculteurs, c'est de père en fils, c'est de génération en génération. On aime la terre et on ne peut pas s'arrêter non plus de travailler la terre comme ça, de dire on va se reconvertir. Donc il faudra qu'on trouve des solutions. Et s'il faut qu'on déloge Macron directement chez lui, on le fera, quoi. J'appelle la police.